Hey, t'es sûre que ça va, toi? Ben oui. Tu peux partir, j'ai vomi. C'est tout, là. Ça arrive souvent quand je tousse trop. Oh, mais là, tu vas te reprendre un petit déjeuner puis des enzymes, hein? Pas question de se reperdre encore du poids. Mais non. Bonne journée, là. Bye. Mmh. Oh. Mmh. Excuse-moi, je t'ai pris dans le trafic pour rentrer à Montréal. Comment ça va? Mal. J'ai pas été plus capable de dormir ici qu'à l'hôpital. Bon, faut y aller, là. Le médecin d'Elsa veut nous parler. Je veux pas le manquer. Est-ce qu'il t'a dit si elle allait mieux? Non, pas vraiment. Oh. J'ai peur que les dommages à son cerveau soient trop importants, Bertrand, qu'elle s'en sorte jamais. C'est lui qui t'a dit ça? Mais non, mais entre ce qu'on me dit et ce qu'on me dit pas, je fais les liens. Ouais, mais attends, là, c'est peut-être plus positif que tu penses que ce qu'il a à nous dire. Allez, viens, on y va. Max! Hey! Kathleen voulait que je l'accompagne. Elle était un peu stressée. Ben, bonjour. Bonjour. Entrez. Entrez. Moi, je resterai pas longtemps, là. Juste le temps de voir si ça clique ou pas, là. Christophe, c'est quand même mon petit voisin, hein. Salut! Salut. C'est pas Marie-Ève, ta blonde? Oui. Oui, Kathleen, c'est la mère de Jordan. Ton ex-blonde, d'abord. Genre. Ben, Kathleen, Bernard, le père de Christophe. Enchanté. Et le beau bonhomme, c'est Christophe, comme t'as pu le deviner. Salut, Christophe. Je suis content de te rencontrer. Vous au courant de la situation? Oui. On parle d'un enfant qui fait une bêtise. Une grosse bêtise, mais il doit pas être juste ça. Il doit avoir des belles qualités aussi. Ah, c'est sûr, ça, mais il a aussi besoin d'une attention particulière. Et je le lâcherai pas d'une semelle. Mais on fait un essai. Si ça marche pas de part et d'autre, on avisera.